l'instrument lui-même, il a la classe. Tous les autres musiciens qui joueront avec vous n'existeront plus parce que tout le monde sera attiré par le nickel harpa et le joueur de nickel harpa. Je m'appelle Eleonore Billy et je suis nickel harpiste. Alors, nickel harpa, déjà, quand on le prononce comme ça, on le francise. Le mot suédois est plutôt nyckel harpa, et ça veut dire une vielle à touche. On peut dire le ou la nickel harpa, l'instrument n'ayant pas de genre, puisque c'est un mot suédois. Moi, je dis le. Donc, le nickel harpa est apparu à l'époque médiévale, au XIVe siècle, sous une forme plus réduite, un petit instrument en forme de 8. C'est un instrument vraiment de musique populaire qui vient de la région d'Uppland, donc la région autour de Stockholm, Uppsala, donc à l'est de la Suède. Il a assez peu voyagé en Suède et à l'étranger jusqu'à les années 70, en gros, où il a commencé à gagner d'autres régions de la Suède et puis d'autres pays comme la France. Alors aujourd'hui, l'instrument se démocratise à d'autres types de musique. On le voit apparaître dans le jazz, la musique expérimentale, la musique ancienne. Il n'y a pas de limite aujourd'hui à l'instrument. L'instrument est joué avec un archet assez court, 40-45 cm. Sur le violon, on va poser le doigt directement sur la corde, sur la touche. Là, c'est par l'intermédiaire d'une petite pièce de bois qu'on appelle un sautereau. Et le sautereau vient donc buter contre la corde à l'endroit désiré. Les cordes sympathiques sont placées juste en dessous au niveau du chevalet. L'archer ne peut pas venir les frotter. Les sautereaux ne peuvent pas venir les percuter non plus. Donc ce sont des cordes qui sont totalement libres. Dès que je joue une note sur les cordes mélodiques, la note correspondante sympathique va se mettre à vibrer. Et en vibrant, elle émet des sonorités harmoniques. On est vraiment dans un instrument avec le maximum de résonance possible. L'instrument est composé, comme tous les instruments du quatuor, d'une caisse de résonance, 4 cordes mélodiques, accordées comme le violon alto, d'un chevalet sur lesquels reposent toutes les cordes, d'un cordier sur lesquels sont rattachées les cordes, d'une tête avec des mécaniques qui permettent d'accorder chacune des cordes. Donc l'instrument possède 16 cordes, donc 16 mécaniques. La particularité de cette vielle, c'est la présence donc d'un clavier. Le clavier du dessous correspond aux notes graves, de la corde grave, et puis on monte. Je me suis tournée vers la musique un peu par hasard. J'ai repris le violon assez tard. J'ai découvert par ce biais l'instrument national suédois, le nickel harpa, il y a une vingtaine d'années. Je suis rapidement partie me former en Suède dans une école de nickel harpa là-bas, dans la région d'origine du nickel harpa. Là, voilà, il n'y avait plus de marche arrière possible. C'est un instrument assez facile d'apprentissage. Par rapport au violon, on n'a pas à créer la note, on n'a pas à créer la justesse. Après, la difficulté, c'est la maîtrise de l'archet. Mais c'est un instrument où on peut rapidement se faire plaisir. Traditionnellement, c'est un instrument sur lequel on joue de la musique traditionnelle suédoise, mais c'est un instrument qui se prête bien à d'autres modes de jeu. On peut jouer par exemple en pidge. Ça sonne super bien, utiliser les harmoniques des cordes. S'amuser avec la pression qu'on met sur les touches. Ou alors je viens au contraire juste effleurer. Les modes de jeu sous le ponticello et compagnie.
Un jour, j'étais en concert avec un quatuor avec lequel je joue, Toxo Quartet, en Crète, un concert en extérieur dans un beau théâtre antique. Dès les premières notes, il y a des chauves-souris qui sont venues voler au-dessus de nos têtes pendant toute la durée du morceau. À la fin de la dernière note, elles sont reparties de là d'où elles venaient.